la balle go au panier et je me retourne en tirant comme Rachid. On fera autre chose, d'accord. Il n'y a pas que ça, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de voir un petit peu les autres aspects et pas que les aspects balle. Ok. On y va. Thank you.
Thank you.
on a normalement c'est la chose qu'on fait. D'accord ? Vous avez ce que transférer, vas-y, transfert. D'accord ?
Thank you.
Thank you.
aucun porteur de balle. Thank you.
Thank you.
sur la sortie d'un point. Et on va travailler sur. Voilà. On va travailler sur pose d'écran. On voit la balle là. Ça marche ? La consigne c'est, quand ça passe au-dessus, 1. Le meneur de jeu se dégage du côté pour avoir une manque de passe. 2. L'utilisateur d'écran va dans le point. 3. La balle doit systématiquement être donnée à la fin. Ok ? Utilisation d'écran. Thank you.
quelques négations par hasard. Ok, bon, ça fait partie du jeu intérieur, vous en faites pas partie. C'est à l'appréciation de chacun. Je pense que c'est un petit exo sympa à rajouter. Quand vous voyez que vous avez des gens un peu mollassons, d'ailleurs qui sont décorés, c'est bien amusant, n'est-ce pas? La carte, la confinée, la confinée, comment? Voilà. Ouais, enfin, pour conclure, je vous ai dit tout à l'heure que le contact était un peu le thème du sujet aujourd'hui. Le fil rouge, c'est quelque chose de fatigant et d'usant. Donc, si c'est un thème sur lequel vous travaillez, parce que c'est forcément un thème sur lequel vous pouvez travailler quand vous bossez sur l'inconscient intérieur, il faut ménager des temps de repos importants. Okay. Ça peut être une situation de tir. Ça peut être on fait l'exercice de tir à deux pendant 100 l'autre, c'est de la dextérité. Vous pouvez voir qu'on entend faire de la dextérité, mais du mouvement de balle, la présence avec le ballon, c'est important parce que le nombre d'intérieurs qui perdent des balles à la con, des petits ballons qui vont mal attraper alors que tout est bien joué, tout est tout seul, tout soigné, c'est dommage. Voilà. Sur les temps de repos, il faut qu'il y en ait, qu'il soit important. Au moins égaux au temps de travail quand il y a vraiment de la lutte, il y a un peu de monde à faire. Et il faut qu'il soit du temps utile de pratique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des enseignements. Quand vous faites du 1 contre 1 intérieur, souvent les intérieurs vont être des trucs sur eux. Quand il y a panier, ils sont tous avec. Ça peut être intéressant sur l'un contre 1 de bonifier à chaque fois quand vous êtes par jouer sur 1 contre 1. Tu marques, ok, bah, tu valides par un lancer franc. Si tu ne mets pas le lancer franc, c'est comme si tu n'avais pas marqué dans vos duels. Et je vous rappelle un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'initiative. À mon avis, c'est celui qui a l'initiative du contact qui en aura le bénéfice. Parce que c'est lui qui l'initie, parce que c'est lui qui sait quand il va arriver, comment il va arriver, et ainsi de suite. Ok. Donc j'ai pas parlé du pick and roll, j'ai pas parlé des écrans petits pour les grands pour les démarquer, j'ai pas parlé de la zone en parler, j'ai pas parlé de la relation intérieure-intérieure, si ce n'est un tout petit peu sur la zone, la relation en triangle. On a très peu parlé du déplacement des intérieurs lorsque les autres attaquent au dribble. À mon avis, est important pour annihiler la défensive. Okay. Vous connaissez la règle de l'horloge. On a panier. Quand quelqu'un attaque en dribble, tout le monde tourne en même sens. Parce que la défense, généralement, quand lui il va comme ça, il ne peut pas venir. Il y a un mec qui attaque là, la défense, elle cherche à fermer en bas. D'accord. Donc si la défense se déplace comme ça, l'attaquant se déplace comme ça, il n'aura jamais de solution de passe. Donc, pour moi qui venais, c'est aussi. Peut-être qu'il y a un petit level sur l'utilisation du corner à l'opposé. À mon avis, quand quelqu'un attaque en début de fond, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'opposé, même si la défense couvre souvent cette place-là. Et qu'on se rend compte qu'au niveau, elle arrive de moins en moins. C'est beaucoup.